Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Mouni et de Manon Tanchi. Vous devez certainement tous la connaître, Manon c'est une candidate emblématique des Marseillais et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Nabil a accusé Manon d'avoir fait de la sorcellerie au Maroc. Dans cette vidéo, Nabil est furieux et il est enfin sorti du silence pour balancer de nouvelles révélations choc. En effet, le blogueur au très fort caractère n'a pas du tout mâché ses mots, il est allé droit au but en l'humiliant devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez à nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai annoncé que, en gros, j'enquêtais sur l'affaire de Marwa, l'artiste, etc., etc. J'ai reçu un message anonyme qui me parle de cette petite fille et qui me dit qu'en gros, cette petite fille, elle serait décédée à la Rahma parce que quelqu'un a voulu faire quelque chose contre l'artiste et pour qu'il perde tout, etc., etc. Et que en gros, on m'a insinué que c'était les équipes de Marwa, voire Marwa, qui avait fait, enfin le sorcier de Marwa, qui avait fait ça. Et comme preuve, on m'envoie aussi une vidéo où on voit. Donc Marwa, en effet, descendre d'une montagne à Zagora. Et on me dit c'est la montagne où la petite a été retrouvée. Donc là, autant vous dire que mon enquête, elle prend complètement un autre sens. Je me mets à psychoter dans ma tête. Je me dis c'est très très gros. Mais surtout c'est flippant, quoi. C'est flippant. Mais vous doutez bien, je peux pas me permettre de venir avancer des choses comme ça parce que j'ai reçu un message en anonyme. Donc là, en soi, je vous le dis parce que aujourd'hui, j'ai les réponses. Je suis allé voir les parents, j'ai parlé aux parents, aux deux. Autant vous dire que j'ai été très, 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 très choqué de mon entretien avec les parents et que les deux sont très bizarres. Mais vous allez le voir de toute façon dans le documentaire. Je les ai questionnés par rapport à l'artiste, par rapport à Marwa aussi. J'ai pu obtenir ce que je voulais. Donc ça aussi, encore une fois, vous verrez. Je vais quand même vous montrer quelques images de là-bas à Zagora. Donc moi, en allant là-bas, j'y vais avec deux idées précises en tête. Ou bien je vais me rendre compte que j'ai affaire à quelqu'un de très 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 dangereux en fait, et que y a pas de limite, y a pas de rahma, etc. Ou bien je vais me rendre compte que y a quelqu'un qui veut énormément de mal à Marwa et qui veut vraiment vraiment la faire couler. Donc c'était ou ça. Il y a pas d'autre solution. Bien entendu, je ne vous dirai pas ce que j'ai découvert, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, donc on a roulé toute la nuit pour arriver à l'endroit précis. On est parti de Marrakech et pour vous dire, il y avait à peu près 270-280 km et on a mis 6 heures pour y arriver. Donc 6 heures pour faire 283 km. Tellement les routes, elles sont comme as, des toutes petites routes. On a traversé l'Atlas, donc on est passé du chaud au froid, en plus à la neige. Enfin, c'était un délire. On a roulé toute la nuit et on est arrivé au petit matin. Au petit matin, je commence mes recherches et tout. Je commence à parler à des gens du village et je tombe sur un guide. Et je lui dis, viens, tu fais la journée avec nous, etc. Je lui parle de la petite Naïma. Il me dit qu'il voit très bien qui c'est, etc., que tout le monde la connaît ici. Et je lui dis, j'ai envie d'aller à... Ramène-moi à l'endroit, la montagne où elle a été retrouvée. L'endroit précis où elle a été retrouvée, s'il te plaît. Il me dit ok. Donc, il monte dans la voiture. Déjà, la famille, vous allez voir, truc de fou. Arrivé presque à l'endroit. Donc, franchement, il nous restait quelques kilomètres. On avait bien entamé la montagne. Regardez ce qui se passe. Oh, faut aller les aider. Il y a des gens... Là, il y a une voiture de Condé retournée, mais quand je vous dis retournée, sur en plein milieu de la route,
La route, elle est pas mouillée, rien, il fait beau, il n'y a pas de glissade ou je sais pas quoi. Elle est relativement lisse, il n'y a pas de trou ou quoi. Attendez. Regardez le Condé. Miskin. Doucement. Enfin bref. Pour vous dire, je me dis à ce moment-là, la journée en fait, elle commence mal. L'endroit que je voulais absolument, absolument voir avant d'aller plus loin, bah, c'était l'endroit où elle a été retrouvée et je peux pas y accéder. Donc au bout de quelques minutes, je demande à un autre policier, je lui dis est-ce que tu penses qu'ils vont dégager la route rapidement. Il me dit c'est mort. Toute la journée là, ça va être bloqué, ça prend grave du temps. Là les pompiers ils vont arriver, après le temps que les gens ils viennent pour truquer la voiture, enfin en gros, tu vas pas pouvoir passer par cette route avant demain. Je me dis ah ouais, comme par hasard. Je demande au guide, je lui dis est-ce qu'il y a une autre route. Il me dit ouais, il y a une autre route mais par contre c'est plus, enfin on va faire un grand détour et tout. Je lui dis c'est pas grave. Il me dit, mais je te conseille, avant d'y aller, du coup, comme ça, on fait pas beaucoup de détours, on passe chez la famille de la petite Naïma, vu que tu m'as dit que tu voulais voir ses parents aussi, avant. Je lui dis, ok. Donc, je passe dans un magasin, je leur fais des courses, je leur amène des provisions pour le ramadan. J'appréhendais parce que je savais pas comment ils allaient prendre la chose, comment ils allaient m'accueillir. Je suis un étranger, je viens de France, je viens pour leur parler de leur fille qui est décédée. Donc c'est quand même assez délicat. Mais au final, j'ai été plutôt bien accueilli. C'est même moi qui ai été surpris de leur façon. Enfin, vous verrez. Mais le père comme la mère, ils m'ont choqué les deux pour le coup. Et ce qu'ils m'ont dit aussi. La famille, grosso modo, je suis invité à rentrer dedans avec mes équipes. On s'installe dans le salon. Je donne les provisions, etc. On parle un petit peu de Naïma. Je leur demande où sont leurs enfants. Ils me disent qu'ils sont à l'école. Et à un moment donné, j'entends du bruit à côté. Puis je dis, c'est qui ça? C'est quoi? Il me dit, c'est ma fille, j'en ai une qui va pas à l'école parce qu'elle est handicapée. Je dis, ah bon? Je dis, bah, dis-lui de venir, qu'elle vienne se poser avec nous. Donc, il y a quelqu'un qui va la chercher. Et quand elle rentre dans la salle, quand je vous dis, elle voit son père, elle est terrorisée. Elle est terrorisée. Je dis, mais là, qu'est-ce qu'elle a? Et il me dit, en gros, c'est son handicap. Elle est comme ça parce que depuis la mort de sa sœur et tout. Et là, il y a mon guide qui le regarde et qui lui dit, non, arrête de mentir, c'est toi, tu la frappes. il lui dit ça, donc il le hachem, il le met mal à l'aise comme ça devant moi. Et donc, je regarde autour de moi, donc j'observe et tout. Et je remarque quand même, bah, ils ont la plus belle maison de tout le quartier où ils habitent et tout. Donc, je leur fais remarquer. Et ils me disent que c'est grâce au don des gens que c'est quand leur fille, elle est morte, les gens ont été très généreux. Et il me dit, et même, en gros, il me dit, dommage, c'était le Covid, le confinement, parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui seraient venus de l'étranger pour nous donner. Et j'avoue que je commence à le regarder hein, de plus en plus bizarre. Puis ensuite, vient toute une série de questionnements. Donc où je parle des enfants Zohri, de leur fille en particulier, de leur rapport avec leur fille, puis de l'artiste et de Marwa. La famille, je veux juste vous montrer un dernier truc, après j'arrête, parce que ça c'est tout un épisode. Cette interview, elle m'a grave marqué. C'est une voisine de la petite Naïma. Enfin, elle habite dans le voisinage, quoi. Là, je lui dis, tu te rappelles d'elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle me dit, je crois que des voleurs, ils l'ont pris et je sais pas s'ils l'ont retrouvé, si elle a été retrouvée ou pas. Je lui ai dit, normalement, je lui dis, je crois qu'ils l'ont trouvée. Elle me dit, peut-être, mais dans tous les cas, ils vont la tuer, ces voleurs. Elle me dit, ils vont pas la laisser. Je lui dis en gros pourquoi ils vont pas la lâcher. Elle me dit parce que sinon, enfin, ils vont la tuer pourquoi ils vont la tuer dans tous les cas. Elle me dit parce que sinon, bah, elle va balancer où ils habitent, etc. Et là, je lui dis,
Julia, est-ce que tu sais pourquoi ils l'ont attrapé elle spécialement? Pourquoi elle? Et là, elle me dit parce qu'ils veulent, ils veulent le trésor. Elle me dit, ils veulent le trésor. Voilà, et là, elle me dit, les enfants qui ont la marque, vous savez, l'empreinte, c'est les enfants Zuhri. Un enfant Zuhri, c'est un enfant chanceux. Zahr, en arabe, c'est la chance. Donc, un enfant Zuhri, c'est un enfant chanceux. Et en général... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.